Salut tout le monde, alors bienvenue dans ce deuxième tuto sur le séquenceur Reaper. Moi c'est celui que j'utilise pour enregistrer ma basse, créer mes maquettes qui vont devenir après des MP3, des playbacks, des compositions. Un séquenceur audio, on en a un petit peu parlé dans le premier tuto, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur le premier tuto pour savoir de quoi il retourne. Et là, dans ce deuxième tuto, ce séquenceur va nous servir à, par exemple, jouer et enregistrer notre basse sur les boucles de batterie que je vous ai proposées dans les différents lives qui ont lieu tous les dimanches sur YouTube. Je vous montre un petit peu le Reaper que j'ai moi. Donc j'ai changé un petit peu la configuration. On verra peut-être plus tard comment on fait pour changer un petit peu l'interface de Reaper, mais ça on s'en fiche, c'est juste cosmétique, hein, c'est juste esthétique l'affaire là. Donc là en fait on va apprendre à insérer une boucle de batterie, celle que vous pouvez récupérer d'ailleurs sur mon site bassistique.com. Je vous remontre la première page de bassistique.com pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez dans l'onglet bassistique live ici et vous pouvez récupérer pas pour chaque live, mais assez fréquemment, hein, à l'issue des lives, vous pouvez récupérer des packs pour travailler les sujets qu'on a abordés dans les lives. Okay, donc, par exemple, je crois que vers le live 13, voilà, vous avez un live sur la relation basse-batterie, ici. Eh ben, vous pouvez télécharger un pack où là, je vous ai posé quelques bits de batterie pour pouvoir jouer des lignes de basse. Okay, donc, si on revient sur Reaper, hop, je vais y arriver. Voilà. Eh ben, on va apprendre comment insérer donc une piste de batterie dans Reaper. Donc, pour ça, il y a quelques petits trucs à checker, pas grand-chose. On va faire très, très simple. Mais on va commencer par aller dans Fichier, Paramètres du projet, et vous allez vous assurer que, au niveau de la base temporelle, Objet, Enveloppe, Marqueur, ce soit spécifié Battement, Position seulement. Ok, vous cochez ça. Bim. Ok. Ensuite, vous créez une piste, donc là, c'est un clic droit à gauche comme ça de l'interface, insérer une nouvelle piste. Bon, là, on ne va pas s'occuper du tout de tout ce qui est BPM, tempo, ici, l'icône de tempo, le métronome, en fait, ici, il faut le décocher. Hein. On va rester très, très simple et on va aller chercher une boucle de batterie, donc tirée de ces différents lives bassistiques. Alors, on va prendre ce groove-là, numéro 1. Vous le prenez, vous voyez, hein, je suis allé dans mon dossier où j'ai stocké mes grooves. Je le saisis avec la souris et je tire avec la souris jusque directement dans le séquenceur de Reaper. Je lâche et voilà, la partie batterie apparaît. Ok ? Donc là, vous pouvez faire lecture. 1, 2, 3, 4, 1. Et voilà, peut-être un petit peu 3, fort. 4, 1. Je baisse un petit peu, voilà. 3. Voilà, donc à partir de là, ben, vous avez la partie de batterie dans Reaper. 1. Ok. Et donc, si ça vous suffit, eh ben, vous vous arrêtez là, vous prenez votre basse et puis vous jouez par-dessus, quoi, hein. Donc, vous remettez, si besoin, la lecture de la batterie dans Reaper. 1. Et vous jouez. 3. 1. Si vous avez envie d'enregistrer ce que vous faites sur la basse, très simplement, alors n'oubliez pas de décocher sur cette piste-là l'onglet Recording ici. Sinon, vous allez enregistrer avec cette piste. Tac. Voilà, vous voyez que le signal s'arrête, ça veut dire qu'il n'y a plus de son qui rentre sur cette piste. Je viens de décocher, c'est bon.
on n'entendra que la batterie, je ne vais rien enregistrer par-dessus, aucun risque. Donc pour enregistrer ma basse, je crée une deuxième piste, clic droit, insérer une nouvelle piste, et là, vous voyez qu'il y a du signal, là c'est ma voix, si je me tais, c'est ma basse qui arrive, ok ? Parce que le petit bouton d'enregistrement est activé. Si je le désactive, pareil, aucun risque d'enregistrer quoi que ce soit. Donc là, je réactive et par-dessus cette batterie, ben, je vais enregistrer ma basse tout simplement. Donc je vais par ici, icône d'enregistrement, le petit point central là, et c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, donc j'ai enregistré une partie de basse. Avec la molette de ma souris, je peux zoomer un petit peu. Hein, ça, je l'avais montré dans le premier tuto. Et je peux écouter maintenant ce que j'ai fait. 1, 2, 3. Ok, voilà, donc là maintenant, j'ai enregistré ma partie de basse par-dessus la partie de batterie. Ok, ça va pour tout le monde? Vous avez vu aussi que là, en bas, j'ai mes fonctions de mixage avec la piste de batterie d'un côté, ici, et la piste de basse de l'autre, avec ma voix. C'est pour ça qu'il y a du signal encore. Si vous pensez que la batterie est trop forte par rapport à la basse, il suffit de baisser son curseur, hop, et voilà, la partie de batterie va être moins forte. Je vous fais écouter ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Si la partie de batterie est trop faible, 1, 2, 3, 4, et ben je la remonte. 1, voilà, ça sature un peu, vous voyez, ça se met en rouge là. Hein. 1, donc je baisse. 1, comme ça. Je me débrouille pour équilibrer les deux. Ok, donc voilà, là on a rajouté une batterie pour pouvoir enregistrer sa basse par-dessus. Ça m'a l'air assez facile. Ok, maintenant, il y a un truc qui peut se passer. Si vous trouvez que le tempo est trop lent ou trop rapide, c'est comment qu'on fait-il pour modifier la vitesse de cette partie de batterie? Alors, si vous trouvez que, par exemple, c'est trop lent, eh ben, on enlève la partie de basse. Donc là, je clique dessus et je fais supprimer sur le clavier. Et puis, la partie de batterie, je vais l'étirer ou je vais la raccourcir, ce qui va modifier la vitesse. Donc encore une fois, pensez bien à décocher le métronome ici. Pensez bien qu'on n'utilise pas du tout la vitesse en BPM ici. On va juste faire une variation de vitesse en manuel, sans savoir précisément sur quel tempo on va se retrouver. Hein. Il n'y a pas de calcul spécifique par rapport au tempo, mais on a juste envie que la partie de batterie soit plus lente ou plus rapide. D'accord ? Donc là, on va essayer de la faire plus rapide. Alors, le moyen le plus simple sur Reaper, c'est d'enfoncer, pour ceux qui sont sous Windows, alors là, pareil, hein, je précise, moi, je ne suis pas sur Mac, je ne connais pas les raccourcis sur Mac, là-dessus. Vraiment, c'est vraiment sur Windows que je peux vous conseiller. Sur Windows, très simple, il faut enfoncer la touche Alt et regardez bien ce que je fais avec la souris. Donc, je reviens sur le séquenceur. J'appuie sur la touche Alt, donc qui se trouve à gauche de ma barre d'espace. Et en appuyant, vous voyez sur la touche Alt, il y a ma souris, quand je me mets sur le bord de la piste de batterie, là, qui devient une petite main. Donc, avec la touche Alt enfoncée, ma souris devient une main, je saisis la piste, et puis, par exemple, hop, je la raccourcis comme ça. Et quand on réécoute, au début, lecture, 1, 2, 3,
Ah, le tempo vient d'augmenter. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ok. 2, 3, 4, 1. Le tempo vient d'augmenter et il n'y a quasiment pas de perte de son, ça reste super propre. D'accord ? Là, j'ai lâché la fonction Alt, la touche Alt. Vous voyez que l'icône de la souris a changé. Elle nous emmène vers une autre fonction. Alors là, si je veux au contraire ralentir la batterie, j'enfonce à nouveau la touche Alt. Voilà, ma souris redevient une main. Et là, cette fois, j'étire mon fichier de batterie. Je l'étire. Et là, le tempo va devenir plus lent. Voilà, là c'est super lent. Ce qui fait que en temps réel, je peux à nouveau enregistrer ma basse. Il suffit que je fasse record. Je m'assure que la deuxième piste est bien éclairée là sur la fonction record. Et là, pendant que j'écoute, je peux en temps réel me mettre à enregistrer ma basse en appuyant sur le gros bouton record au milieu. C'est parti. Voilà, la piste commence à s'enregistrer. J'enlève ma voix et je vais enregistrer une partie de basse. Voilà. J'arrête l'enregistrement. Si j'ai envie d'écouter ce que je viens de faire, bah je place la petite barre d'espace. Je clique quelque part, là, par là. Voilà. Avec la molette de ma souris, je grossis si j'ai besoin d'être plus précis. Et là, je fais lecture, j'écoute ce que je viens de faire. Ok, je trouve que la batterie est un peu trop forte. Je vais sur le curseur là en bas à gauche et le curseur de batterie, je le baisse. Voilà, comme ça j'entends mieux la basse. C'est cool. Voilà. Et on a entendu un petit peu ma voix puisque j'enregistre sur une même piste chez moi, là, la voix et la basse pour faire cette vidéo. Ok ? Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a aidé. Vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez aimé, comme ça, ça fera remonter un petit peu la vidéo pour l'algorithme de YouTube. Et puis voilà, quant à moi, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera peut-être encore un tuto sur Reaper ou une vidéo de basse. Si je n'ai pas le temps de faire ça, je vous donne rendez-vous en live tous les dimanches à 19h sur la chaîne Bassistique. D'ici là, portez-vous bien. Hop, à plus.